Antenor Firmé, c'est un gros intellectuel que tu connais dans tout pays. C'est lui qui suit politique. T'es empêché le gouvernement américain vienne installer une base militaire à Mont-Saint-Nicolas. Firmé, ambassadeur à Paris, t'es couru entre en Haïti pour te porter le candidat à la présidence. Firmé, t'es gagné en face, le général Non-Alexis, que t'es baillon, t'es non jouet, tonton Non. Ambition tonton Non, t'es tellement fort que le patap recule devant un rien pour te arriver président d'Haïti. Madame Firmé, c'était petite fille Sylvain Salnave. Or, oh, comme c'est Boiron Canal qui t'a commandé peloton d'exécution qui t'a fusillé Sylvain Salnave, il faut dire quand la famille Firmin et Boiron Canal, eh bien, relation pas de bonne du tout. Le 27 juin 1902, nous avons escombré éclaté au cap entre partisans Firmin et partisans Non-Alexis. Immédiatement après, ils ont déchouqué une belle caille que Firmin t'a gagné. Sac pire regrettant, c'est perte manuscrit en livre Histoire d'Haïti. Que Firmin t'a écrit et que le tapal fait publier. Pendant que bagaille était chaud, gouvernement t'a voyé un bâtiment allemand en or, à l'potez amak munitions pour ton donor. Amiral Kilik a bord la crête à Pierrot, saisi bâtiment allemand et capturé toutes amak, toutes munitions qui étaient à bord. Là pour là, gouvernement décrété la crête à Pierrot pirate et voyé un bateau de guerre allemand qui était le Panthère à capturer la crête à Pierrot. Quand le Panthère est arrivé dans le roi de Gonaïve, Amiral Kilik qui t'attait, malade, après que la veille, il était perdu en douette, courut monter à bord. Il envoyait tout le monde, sauf Dr. Coles, qui était venu rester avec lui. Au lieu que le terrain, ou bien te livrer bateau, Kilik t'a préféré envelopper Coles dans un drapeau haïtien, et il t'a tiré sous gros dépôt d'âmes qui était en bas dans la calbatoa. La crête à Pierrot explosé. Kilik, ensemble avec tout Dr. Coles, tous les deux t'es mouru. Ça t'est passé le 6 septembre 1902. Destruction de la crête à Pierrot, ensemble avec la mort Kilik, t'es deux coups durs pour Firmin. Après un mois, Firmin réalisait que n'en point moyen qu'un bé encore. Le 17 octobre 1902, il prend bâtiment et là dans l'exil Saint-Thomas. Après départ Firmin, pays a été perdu. Ou du moins, avec départ Firmin, pays a été perdu en pile parce que n'entend ça, Firmin, c'est un rail haïtien qui vraiment te cap fait la différence.